Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le temple de Sephralis, j'espère que ça vous plaira. Je suis avec Roby, Cruella et Alishat. Et on tue des hommes serpents, voilà. Ouais, la meilleure. Ah ouais, ils sont stylés les hommes serpents. Ouais, c'est des. C'est une race qui s'appelle les Sephrax en fait. J'ai toute l'histoire en tête si vous voulez, si ça vous intéresse. Vas-y. Bah non, je fais une vidéo YouTube, vous irez voir, voilà. Mais non, mais pour le coup, en fait, l'histoire des Sephrax, tu l'apprends en faisant la zone de Voldoun. Donc, c'est la zone du désert. Bon, là, on voit pas parce que la map est verte, mais c'est la zone désertique en fait de la Horde. Je sais pas si t'avais vu, Roby, déjà. Le truc à gauche là. Et c'est super intéressant. J'ai bien aimé, moi. Mais disons que Père Zoltan raconte nous une histoire. Non, les enfants, je ferai pas ça. Une histoire. Il était une fois. C'est le mec. Ah, on peut descendre à gauche, ouais. Mais celle-là aussi, elle est jolie, hein. Ouais, elle est magnifique. C'est dingue, hein. Déjà, à Légion, on disait ça va être compliqué de faire plus beau là avec tout ce qui est Hell of Valor et tout, mais au final. Elle est chuchoteuse, elle heal. Ah, c'est le premier boss ça, Aspis, non? J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de trash entre les boss. Il y a Viperis, je sais pas ce qu'il fait lui. Ah, bien. Non. Ah, bah, tu peux plus parler, Alishat? Juste deux secondes. Ok, ça marche. Il y a ma meuf, ouais, ouais. Bah, ouais, hein, c'est ça, hein. Bah ouais, il y a sa meuf, donc du coup tu vois, il n'ose plus parler à ses potes du jeu vidéo. Oh là là. C'est un canard un peu, hein. Il est bonjour de ma part. Tu viens ce soir au gros Cruella ou pas? De quoi ce soir? Ah mais il t'a pas dit en fait, Alishat. Ah, c'est deux boss, ok. Il m'a rien dit, moi. Bah il va te dire après. Il a pas eu le temps, t'as vu. Moi ce soir j'ai bêta red test. Oh là là. Ma guide. Frappe cyclone, attention. C'est Zoltan, je viens de reprendre WoW, tu as quelques petits conseils pour préparer la prochaine extension Casual Gamer. Commence par reprendre le jeu, fais tout ce que t'as à faire sur Légion. Essaye de mettre ton perso à 920, 936 level, largement faisable. Et tu seras à l'aise pour le pexing de BFA. Voilà. J'ai même pas fait le dernier palier moi avec mon mail. Ouais, bon moi j'ai clean en mythique il y a deux mois et demi là et après j'ai lâché le jeu, j'avais trop de choses à faire sur JVTV et tout ça. Je suis parti en vacances aussi. Ouais. Ça fait du bien des fois. Ah bah oui. J'ai rien compris au boss, c'est pas grave. Moi non plus, genre je t'avoue que le boss là, on l'a tapé, il est mort, voilà. merci d'être venu, tu sais. C'est toi ça. Putain. Bon bah il est mort, hein, voilà. Oh, c'est trop beau ça. Le petit couloir là. Ouais. Non, le chevaux cherche pas quoi là. Ah ouais. Mais ça, ce sera une monture, hein, je crois. Hein. Il me semble qu'on pourra avoir ça en monture. Guide. Ah, c'est vrai que sur le DK, j'ai pas l'habitude. On a un truc moisson magique. Tu peux enlever les buffs magiques sur les gens. Ah, c'est un dispel. Ouais. Attends, c'est cool ça. Comme le chaman. Mais quoi, ça a été mis quand ça? Bah là. Ah, BFA, BFA, ouais. Et quand tu le fais, bah ça te donne 25 de puissance. C'est nice. Runique. Ah oui, d'accord, donc faut le faire en fait, du coup. Oui, oui, faut le faire. C'est trop cool. Oui. Non, mais DK tank, ça va être énorme, je crois. Déjà là, tu prends rien. Genre, c'est je te heal quasiment pas depuis tout à l'heure. Et je t'ai même pas mis. Dis-toi que je te heal pas. Et je t'ai même pas mis le guide de lumière. Genre, à l'arrache totale le truc. Tu disais quoi, Cruella? Ah bon, DPS quand même là, DK tank. Ouais, mais c'est Roby aussi, c'est. Oh. Un joueur pro de Fortnite, ça joue bien World of Warcraft, tu vois. C'est évident. Attends. Tu mets des murs là, tu les vois pas. Ah,
Salut Bistro. Le retour du heal au bouclier. Oui. Parce que vu qu'on a plus les armes artefacts, ça ouais. revient comme les modèles d'avant. Moi t'as vu, je récupère mon épée et mon shield, donc c'est parfait. On va pouvoir. Alors là quand t'as des. Quand t'as des nuages de poussière, faut que tu les sortes les mobs. Sinon ils sont en miss. Ouais. Ah ok. Ah ok d'accord, ok. Comme la smoke. Ah y'a un boss là-bas. Mais pourquoi mon perso il va à droite? Garde œuf infidèle. Là faut kick genre le tender parce qu'il se heal. Mais elle est immense l'instant c'est. Waouh, on dirait un raid le truc. C'est ça, prends attention, hein. Moi je pense. Hein. Ouais. Mais pourquoi je vois pas le sable alors que mes trucs graphiques sont à 10? Allo? Par contre, l'instant c'est pas. Si tu marches sur les 9, ça fait quelque chose? Non, non ils vont s'en faire. On pourra pas faire un livre de Jenkins, merde. Le roi Jenkins. Et Jenkins. Exactement. Alors on en fout comme ça. Ouais, parce que moi au début j'allais me dire comment ils vont faire les armes artefacts parce que bah tu vas pas remplacer ça sur une arme verte quoi, genre le Doomhammer et tout ça. Ouais, tu m'étonnes. Bon bah je lâche mon Doomhammer pour une dague. Mais tu pourras reskiner de toute façon, je pense. Avec, ouais, avec la Trotmo, oui. C'est sûr. Ah, il va soigner, c'est bon. D'ailleurs, faudrait peut-être faire les skins d'armes artefacts pour ceux qui les volent avant que ça disparaisse, ça, non? Ou ils trouveront un moyen de le mettre sous au fait? Non, c'est sûr. Hein? C'est ah, sûr. Ça va être comme les défis. Non, ça va être comme les défis. Ouais, genre, t'as pas fait, c'est fini. Il y a plein de trucs qui disparaissent à. Ah bah enfin, ouais. Genre le secouriste mais y'a plus du coup faire tous les OP. Ah ouais. Oula, demain secourisme sur la Zoltan TV le chat, voilà. Non mais j'annonce. Secourisme c'est trop dur, le... Enfin le... y'a un méta OP, c'est The Field Medic, le nom. C'est incroyable Zoltan. Il faut faire tous les quêtes de chaque zone. Toutes les quêtes de chaque zone. En fait quand tu bashes des mobs, t'as 0,5% de chance de loot un item de quête. Tu dois soigner des mecs. Et tu dois avoir tous les items, il y en a au moins 20. Waouh. Et ouais. Moi là j'ai déjà fait la moitié, ça m'a pris 5 heures déjà. Ah, 5 heures, d'accord. Ouais, ça va des pop Oula qui refuse. Ok. Oh il est stylé, oui, Merrick Fa. C'est mon cobra les gars. C'est une cobra. Un beau cobra. Merrick Fa il s'appelle. Ouais, faut pas rester devant lui quand il fait son souffle, classique. Pourquoi c'est peu de damage level 50 mais du 600 parce que... C'est l'item squish. Voilà. En fait ils appuient sur un bouton. En gros pour expliquer en détail, une extension sur deux Blizzard réduit les chiffres. Pour éviter que les serveurs cassent au bout d'un moment. À Mist of Pandaria, donc il y a trois extensions, les chiffres étaient élevés. Après il y a eu Warlords of Draenor, les chiffres étaient bas. Là à Légion les chiffres sont très élevés, genre le dernier boss il a 13 milliards PV, un truc un peu indécent. En mythique, et là ils appuient sur un bouton, ils nerfent tout de X stats, mais ça veut pas dire que ton perso est plus faible en fait. C'est juste les chiffres qui sont plus bas, tout simplement. Bah, le boss là il va être casse-couille à tout le temps s'enfuir là. Ah ouais, en mythique tu as galère. Hein. En plus, à tout moment il y a un truc en plus en mythique. Ouais. Bah, ça va mieux parce que en gros les ads ils meurent moins vite, du coup ça dure vraiment toute la phase. Qu'est-ce qu'il est chiant. Ouais, attends, t'as pas vu le dernier boss, hein. Ah ouais. Ouais, niveau beat, ça c'est un boss de beat, hein, le dernier boss. Enfin, un boss de heal, tu dois heal le boss, bah, alors il se passe rien. Ah, je dois heal le boss. Non, les chats, hein. Nathan, il m'a parlé de je sais pas quoi, quelque chose ce soir. Ah oui, oui, oui. Non, mais juste, je t'ai pas provoqué parce que je savais que tu faisais du red test, tu me l'as dit tout à l'heure. Ouais, mais après, peut-être qu'elle va venir après son red test ou cancel le red test, tu vois. Ouais, elle serait jamais capable de cancel le red test, tu parles à Louise. Bah le truc c'est que j'ai la bêta que depuis... Enfin j'ai jamais fait un red test parce que je pouvais pas DL la bêta, donc ça c'est le premier que j'ai fait. Ah ouais, bah, dis que tu t'as toujours pas DL. Alors c'est-à-dire qu'il y a une casse-tête en face là. C'est dur. Non c'est facile, en fait tu suis à droite. Je regarde. Bien, hein. Voilà, tu suis comme ça à gauche, tu passes derrière.
Ouais, y'en a qui s'est fait jarter. Tu passes là, puis tu passes là, et voilà. Eh mais je suis passé entre. Je te jure que je suis passé entre. Ça va, t'as réussi, genre. Oh, ce grip de masse. Incroyable. J'en ai vu des grips de masse de ma carrière, par celui-là. Ah ouais, en fait, quand tu tapes une boule, ça te remet au début, c'est ça? Ouais. Ok. Je suis choqué par l'instance. Elle est magnifique. Ça donne envie, tout ça. D'ailleurs, au niveau de talent du DK Tank, ils ont fait un truc comme le DK Jim, non? Une sorte de souffle. Mais genre là, c'est avec un truc de bouclier de tempête, d'os, je sais pas quoi. Je pense pas que ça doit être worse, mais bon. Je sais pas du tout. T'es au courant de ça, Cruella? Ah non. C'est juste pour tank, hein, ce que tu dis. Hein. Ah, ouais, tank. D'accord. C'est une sorte de. Je suis pas enseigné au niveau de tank. Ils ont mis le souffle de Sindragosa sur le tank. Nous on l'a plus. Tempête d'os, ça s'appelle. Et c'est exactement le même principe que le souffle de Sindragosa. Ah si, on l'a en fait. On doit aller talent. Mais je pense pas qu'il soit viable. Et ils font quoi toutes les bouboules là après? What, ça porte le boss. Oula. Et wow. Ça peut être mieux. Ouah, c'est magnifique. Ouais. Illuminati confirm, attention. Il est maquillé. Un petit triangle là. Ouais. Ok, donc ça c'est un boss. Ah, généralement il y a 4 boss, 3-4 boss par instance, c'est ça hein. Ouais. Roby va jouer avec le chef. Putain, on donne des ordres ici. Va jouer avec le chef. Coco. Ah ouais, avec Gotha. Ouais. Ça va Fortnite parce ou quoi? Parce que je l'appelle le chef en fait. Ouais bah. D'ailleurs Roby, si t'as le temps quand tu veux pour m'apprendre un peu du Fortnite. Ça roule. Comme t'avais fait avec Marmotte. Après je suis quand même plus fort que Marmotte, hein, je te le dis. Donc voilà. Ça marche. C'est quoi le pylône là qui vient de spawn? Je sais pas, ça se dépaisse? Enfin, je sais pas, mais ça, ça barre, sa barre d'énergie monte très attends, vite. J'ai... Ah, faut se mettre entre les deux. Ah oui, d'accord, ok. En fait, faut. Ça te met un debuff. Dégâts subis d'électrochoc augmenté de 30% avec 3 stacks et c'est 10% par stack, je crois, j'ai l'impression. Okay, alors que je viens de looter un nouveau bouclier. La macro sur Discord, tu l'as mis dans quel channel? Sur Général, Communauté Générale. Merci. Oh, oula, beau, là. Oula, oula. Regardez, oula. Regardez, on va le faire spool. Vas-y, vas-y, on te regarde. Eh, la suite, tu vas adorer, Zatan. Oh. Allez hop. C'est moi, je l'ai désactivé. Oh, vous avez vu ça? Oh là. Attends, y'a quoi là? Regarde la seule, elle est trop belle. Waouh. C'est trop beau ce... Non, y a vraiment une upgrade graphique, Robin. Ça se sent. Oh bah là. Complètement. C'est pas bon. Fallait chercher l'orbe là. Ah bien, ok. Moi j'ai... Non, c'est bien, c'est bien. Okay. Je me suis pas trompé. C'est quoi tout ce bordel là? Pourquoi ça saute dans tous les sens? Wow! Faut aller à la tête. Ok. T'as quoi sur la tête là? C'est quoi? C'est énorme que j'ai dans les mains. C'est l'œil du serpent. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ah mais faut le prendre le truc. Ah mais tu peux dash avec toi, mais c'est shit. Mais oui, c'est dash. Non mais c'est genre il a la boule sur la main, il trop peut trop fort, tu sais. Focus le mob là, quatre l'arme. Ah il a pris l'arme. Eh, hey, combien? Ils ont enlevé Freehold Town ou pas De quoi? Ils ont enlevé Freehold. Freehold, ah, c'est que l'Alliance. Tu l'as qu'au niveau 120. Ah oui, d'accord. Donc là, en fait, là, donc en fait, là on a Ataldazar, Temple de Céphralis et Tréfond Putride. En gros, c'est les trois instances disponibles de chacune des zones de la Horde, c'est ça. C'est ça. Et niveau 105, t'as Motherlord avec les gobelins. Ouais. Pour toi. Et Waouh. Waouh. Ok. Vas-y, Ali, je t'écoute. Ouais, on peut passer là, il faut mettre les deux. Non, c'est bon, là on peut passer, c'est en héros, tu peux mettre les deux. Ok. Et ensuite, niveau 120, t'as tout débloqué. Sauf si je dis pas de conneries, siège de Boralus. Enfin, je crois qu'il faut se déplacer pour certaines encore. Ouais, siège de Boralus, King Rest. Et c'est tout, je crois. Le reste, t'as accès.
qu'est-ce qu'il fait là derrière. C'est super cool. Là tu vois on a fait deux instances nouvelles que j'avais pas faites encore, je suis bien content de les avoir fait. Puis en plus ça fait deux VOD gratuites donc voilà. Salut Lucas. Est-ce que ça se passe grave ça? Oui. Attends je les tourne, hein, je vais jouer avec elle. Ouais bah... Ouais. Aussi bien. Tellement fort deck. Dégoûté. Et faut se mettre entre les rayons non? Non non, faut parler au boss et là tu le heal à fond. Nous allons vous guérir. Et le reste, bah il va rien se passer, il va juste avoir des mobs qui vont pop. D'accord. Et là c'est Zoltan qui s'amuse à heal le boss, c'est ça? Ouais. Ah donc là je dois le heal, c'est ça? Ouais. Ok mon gars, j'ai trop monté ça à l'express. Il y a des full, hein, on va rien recevoir comme dégâts. On est reparti sur World T4, c'est. Allez go heal le boss. Ouah mon gars. Allez, là t'as demandé un truc mon gars. Voilà, ça y est, fini, terminé, au revoir. Éradique tous les ennemis. Ouais, bah ils sont morts. Ils sont où les ennemis là? Alors, faut savoir qu'en normal, ah, d'accord. C'est... Attends, c'est tout là. Le chat, c'est... joli le boss, hein. Franchement, c'était dur. Merci à Elink pour son Prime sur JVTV, ça fait plaisir. Je suis en combat, je vais ouvrir le coffre. Oh bah, je suis le seul à pas pouvoir ouvrir le coffre. Y'a aucune difficulté? Bah. En fait, ma surpuissance a remonté très vite le boss. Et donc, tu vois, ça... pourquoi on peut pas prendre le coffre? Oui, les gens avec qui je joue stream, il y a Zoltan sur JVTV et Cruella sur. Cruella TV. Cruella sur la 4G. Sur la 4G. Sur la 4G. Sur le stream en 4G, tu sais. Bon, bah c'était pas mal. Ah, bien, bah, fin de la VOD du coup. Au revoir. Merci. Abonne-toi. Bon, voilà. Là on a fait tous les donjons.